suivant sa pente naturelle, c'est vers le nord qu'elle est partie, laissant la Turquie derrière elle pour s'en aller en Géorgie. Tout le monde aurait bien pu croire qu'elle irait jusqu'à la mer Noire, mais elle aime trop bien la vie pour se noyer à Batoumi. C'est la Koura qui, généreuse, descend du plateau arménien et qui s'écoule impétueuse, roulant ses limons plein d'entrain. Dès lors, en femme capricieuse, elle a soudain changé d'avis, et c'est vers l'est qu'aventureuse elle visite l'Ibérie. En parvenant à Tbilissi, c'est comme un charme qui opère, et langoureuse a tiédi, la voici qui se fait trouver. C'est la cour qui, romantique, enchante la Transcaucasie, mais par son attrait électrique, elle attise bien des envies. Arrêtée à Mingachevir, dans un lac son élan se noie, mais se refusant à mourir, elle reprend son cours, sa voix. Elle vague par la plaine azérie, mais épuisée comme un soupir, et ses eaux polluées de poison sont désertées des esturgeons. C'est dans les bras de son delta et les vases que la Koura s'étouffe à manquer d'oxygène dans le pétrole de la Caspienne.